Oui, salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13. Et bien aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je pense très très intéressant en fait. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo vraiment, on va dire, importante. Parce que ce qui se passe maintenant sur Terre, c'est devenu incroyable. Il n'y a pas longtemps de ça en fait, je vous explique, j'étais sur Facebook. Et j'étais en train de me balader sur Facebook, et ces derniers temps sur Facebook, on a des vidéos, vous savez, qui s'enclenchent toutes seules, vous savez. Et je tombais sur une vidéo où je voyais un espagnol, je suis désolé de vous dire ça, hashtag, à tous mes abonnés quand même, parce que je pense que c'est important, un espagnol qui se faisait sucer par une carpe. Vous savez, c'est quoi une carpe? C'est un poisson. C'est un poisson, frère. Un poisson. Wesh, on va où? Donc les gars, juste un truc, faites attention, cette vidéo, elle choquera personne au niveau du langage, mais je vais afficher une photo, là, je vous l'affiche tout de suite, regardez bien, c'est le mec avec la carpe, je vous l'affiche la vidéo tout de suite, elle s'affiche là. Voilà. Là, elle disparaîtra, la photo, je la laisserai pas tout le temps sur la vidéo, là, elle va disparaître dans quelques secondes. Voilà, parce que vraiment les gars, la vie part en couille. Le mec, il s'est fait sucer par une carpe et son pote, il lui tenait la carpe pour qu'elle le suce et t'en avais un autre qui filmait. Et en plus, le pire, c'est que le mec, il s'est même pas filmé le sgeg. Enfin, il s'est même pas filmé que le sgeg. Il s'est filmé le visage en même temps. Il est arrivé, il s'est fait filmer le visage de celui qui lui tenait la carpe et son pote. Et la carpe, la pauvre, croyez-moi, hein, elle avait entièrement dans la bouche. Elle avait entièrement le sexe du mec dans la bouche. Vous voyez à quel point la Terre, enfin le monde, devient n'importe quoi. J'étais choqué hier, j'étais hier soir, hein, vendredi soir donc, hier soir, j'étais en conve avec, enfin, jeudi soir, pardon, j'étais en conve avec Sezo et Jawed, donc The Kerry, je lui montrais à Jawed. Je vous jure, et il en a pas cru ses yeux. Et il m'a dit, Starfallah, comment c'est devenu ce monde? Comment ce monde est devenu, mon frère? Il m'a dit, c'est un signe de fin du monde, ça. Des mecs sont sucés par une carpe. Après, j'avais vu une vidéo sur Facebook, une meuf, une pauvre, aux Pays-Bas, là-bas, chez les Néerlandais de merde. Elle se fait balayer par des mecs qui viennent, ils la frappent. Wesh, c'est quoi, ça? Wesh, c'est quoi? T'es quoi? T'es un homme, toi, tu viens, tu frappes une meuf? T'es un homme? Et t'as envie de l'attraper, t'as envie de lui tordre le cou, mon frère. Et t'as envie de lui tordre le cou à ce genre de saloperie. À plusieurs sur une meuf. Wesh, c'est quoi ton délire? Eh, il a mis une balayette à la meuf. La pauvre, elle s'est cognée la tête contre le sol. L'autre, il va faire sucer une carpe. Wesh, vous êtes quoi? Alhamdoulilah, hein. Alhamdoulilah. Franchement, alhamdoulilah, parce que c'est pas un Français qui a fait ça. C'est pas un Français qui a fait ça. C'est un Espagnol, là-bas dans leur pays. Je sais pas s'ils sont dans le même délire que nous. Je sais pas s'ils sont dans le même délire que nous. Je sais pas, peut-être en Espagne, là-bas, te faire sucer par une carpe. Peut-être c'est un objectif que tu dois faire, mon frère. C'est une mission. Ouais, je sais quoi? Et dites-moi quand même, vous les gars, avec la photo que je vous ai affichée, avec tous les rumeurs, enfin pas les rumeurs, hein, toutes les vidéos qui ont été montrées de ça sur Facebook, si est-ce que vous, ça vous choque pas? Franchement les gars, je vais vous demander un maximum de pouces bleus sur cette vidéo-là, et vraiment un maximum de partage, pour que ça fasse réfléchir plus d'un. Parce que frère, faire sucer un poisson, et un poisson frère, un poisson, et là. Et là, allez, bon, le poisson, hein, je vais pas vous mentir, hein, eh, le poisson dans la vidéo, il avait l'air de se la régaler. Eh, c'était une carpe, c'était une tepue la carpe aussi, frère. Elle se la régalait la carpe, je vous le dis, hein. La carpe, on voyait bien dans la vidéo, moi je vous le dis. Et vous suivez la carpe. La carpe, elle avait l'air de se régaler aussi, hein. Eh, elle nageait vers son sexe, hein. Encore le mec, je vous dis, il a pas été gâté non plus par la nature, parce que le sexe, c'était une frite. C'était un bordel comme ça, son sexe, à l'espagnol. Donc je vais vous dire que la carpe, elle a. C'était pas très compliqué de se l'enfiler dans la bouche, encore, pour elle. C'était pas très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire, les frères? Le mec, il est allé, il s'est fait sucer par une carpe. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, ça me fait rire, ce genre de truc-là. Ou comment c'est grave, le délire? Comment c'est grave? Wesh! J'ai décidé quoi? Et le pire, comme je vous ai dit, les gars, le pire. Tu fais ça, ok? T'as un trou du cul déjà. Et en plus, il s'est filmé le visage.
Il s'est filmé le visage et c'est la vidéo qui est en train de plus tourner sur Facebook. Qu'est-ce qu'il va faire quand ses parents, ils vont la voir cette vidéo? Et je pense que là-bas, avec la mentalité espagnole, ils vont lui dire, eh ben mon fils, bien joué, hein. Désolé de vous dire ça, les gars. Ils vont lui dire, désolé, bien joué mon fils. Tu t'es fait sucer par une femme, par une carpe. Allez, t'as le chien, t'as le dromadaire, t'iras essayer avec un lion comme ça, il te croquera les burnes. T'iras essayer avec ci et ça, frère. C'est quoi ça? Et la tête de ma mère à ce mec-là, c'est ce que je lui souhaite. Je lui souhaite qu'un jour il tombe. Tête derrière, il tombe devant un piranha, sa mère. Et vas-y, essaye de faire sucer ta bite à un piranha, tu vois, mon gars. Et tu l'auras plus. Et tu l'auras plus, la tête de mère. Moi, je sais de quoi je parle. Parce qu'avec ma copine, à l'époque, on avait un aquarium et j'avais un piranha à Marseille. Et je peux te dire, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle quand je parle de poisson. Tu vois ce que je veux dire, frère? Et j'aurais aimé que ça soit un piranha. Et j'aurais aimé que ce soit un piranha, qu'un piranha qui débarque. Parce qu'une carpe, c'est normalement, elle vit dans l'eau douce. Un piranha, il vit dans l'eau douce aussi. Et j'aurais aimé qu'il y en a un là qui vienne lui croquer la bite à cet enculé de sa race. La gravité des choses. Toutes les vidéos que je vous fais ces derniers temps, les gars. Toutes ces vidéos que je vous fais ces derniers temps. Et les gars, celle-là, est vraiment. Je compte vraiment sur vous pour la partager, celle-là. Parce que celle-là, je pense que c'est une des plus graves. C'est l'une des plus graves, celle-là. Un mec qui se suicide par. Vous savez, ces derniers temps, je vous ai montré un mec qui est mort en attachant le truc à ses pieds. Ok? Un mec se sépare une carpe. Une meuf qui se fait défoncer la tête contre le sol. Eh, c'est signe de quoi ça? C'est un signe de quoi? C'est quoi? On vit dans quoi? En tout cas, je vous le dis, les gars. On vit pas dans un monde qui tourne rond. Mais alors, pas du tout. Alors, pas du tout. Vous savez, quand il y en a un qui vous dira sortez dehors. Sortez, arrêtez d'être devant la play. Vas-y frère, me casse pas les couilles. Laisse-moi devant ma console. Laisse-moi devant mon ordinateur. Au moins je fais pas des trucs chelous frère. Vous voyez les gens qui sortent dehors? Comment c'est dangereux dehors? Qu'est-ce que les gens ils font dehors? Imagine sa mère serait été votre mère ou alors votre soeur qui se fait balayer par des petits pédés. Imaginez c'est votre soeur ou votre mère. Imagine 2 secondes, il y a des puceaux, ils viennent balayer votre mère parce qu'on a la tête contre le sol. Ouais, c'est quoi ce monde frère? Eh, il faut s'enfermer chez soi ou quoi? Je vais vous dire un truc, ces mecs-là. C'était des grosses têtes à claques. C'était des. Tu les prends, tu leur mets des gifles, même toi gros. T'as 10 ans, tu leur mets des gifles, c'était des grosses têtes à claques, c'était des merdeux, des puceaux, c'était. Voilà ce que c'était ces mecs-là. Et ils viennent à plusieurs frapper une meuf. Tu dis, c'est quoi ce monde? Moi, des fois, ma mère, elle me dit, franchement, mon fils, alhamdoulilah, je préfère que tu sois avec ça, avec la manette chez toi, à jouer à la console et être sur la télé. Hein? Bon, ma manette, elle est tombée. Qu'être dehors et faire des mauvaises choses. Parce qu'à l'époque, à Marseille, j'habitais dans des cités. J'habitais dans des putains de cités. Ça vendait du shit, de la coke. Tout ce que tu veux, ça le vendait, mon frère. Tout ce que tu veux. Et quand ma mère, elle arrivait, ses copines, elle lui disait, il est où ton fils? Ah, il est dans la chambre, là-bas, va le voir. Salem, salem, par respect. Tu vois, les copines de ma mère, salem, salem, tata, tu vois, respect. Et elle disait à ma mère, c'est bien. Tant que ton fils, il est à la maison et qu'il n'est pas dehors. Et vaut mieux que soit à la maison en train de jouer à la console et à geeker qu'être dehors avec ces légendes d'aujourd'hui. Hey, frère. Hey, j'ai vécu dans des cités. Il y a un respect entre nous tous. Faut pas croire, hein. Faut pas dire les voyous de nos jours, ils ont pas de respect. Hey, tu tombes juste sur la mauvaise personne. Hey, je connais des mecs dans la cité, ils vendent du shit. Je passais dans la cité, j'allais chez Wam. Salem, frère, salem, ça va, tu vas bien? Alhamdoulillah, alhamdoulillah. Ciao, je passe mon chemin. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, ils sont normaux. Il y a des mecs normaux. Mais frère, maintenant, il y a des gens tellement pas normaux. Parce que on se dit des fois, c'est ceux qui vendent du shit qui sont pas normaux. Et à la tête de ma mère, c'est les plus discrets qui sont pas normaux, mon frère, des fois. Les plus discrets, c'est ceux qui sont le moins normaux. Crois-moi. Crois-moi. Bref, les gars. En tout cas, je suis très très content de vous avoir un peu essayé d'ouvrir, enfin, de vous avoir un peu essayé d'ouvrir les yeux dans cette vidéo-là. Parce que ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Ça devient n'importe quoi, ce monde. Ça devient n'importe quoi. Voilà les frères, c'était votre petit tonton. On se retrouvera inchallah pour de nouvelles vidéos. En tout cas, n'hésitez pas, eh bien, à liker et à la partager à mort. Celle-là, je compte vraiment sur chacun de vous. Chacun de vous, si chacun de vous fait un effort de la partager, les gars, elle sera vue et revue cette vidéo-là. Et au moins, il y aura peut-être des mecs qui vont réfléchir. Parce que le monde, frère, voilà, il tourne pas rond. Bref, les gars, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Si vous voulez venir me parler, il y a Facebook, Twitter, comme d'habitude. Le lien sera dans la description. Je compte sur vous, les frères. C'était votre tonton. Eh bien, je vous dis à la prochaine et surtout dans ce monde, voilà, prenez soin de vous et de votre famille
Et faites pas de bêtises. Allez, ciao, c'était votre tonton.